I do the one in blonde. Alors l'une des spécificités de l'autosalon de Sydney, c'est qu'ils sont capables d'amener un bandino directement au milieu du salon. Il faut savoir que c'est strictement interdit chez nous, on ne peut même pas démarrer un moteur avec une clé chez nous, on n'a pas le droit dans un salon. Ici, il n'y a pas de souci, tout se fait à la cool. 100% des voitures du salon passent sur le dino, quelle que soit la puissance annoncée, mais en tout cas, elle sera vérifiée au micro cheval près. Il faut savoir que la Supra, qui est juste là, préparée par Gaz, sort 1000 chevaux au roue. Aujourd'hui, à part Top Secret, Velside et une poignée de quelques autres au Japon, c'est les seuls à être capables de sortir un nombre à 4 chiffres d'un moteur comme celui-là. Et ouais, vous avez bien lu, 1165 chevaux, ça commence un tout petit peu à causer, n'oubliez pas que c'est juste un 3 litres, donc on approche les 400 chevaux au litre. Quand on voit comment Volkswagen nous raconte la vie avec la Bugatti Veyron qui a un W12 quadriturbo, etc., etc., 16 radiateurs et qui sort 1000 chevaux, là un préparateur dans son garage avec un 3 litres, tout bête, un turbo de camion, bah ils font mieux. Bref, le tuning a encore de belles années devant lui. We've got ourselves some...